Donc bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau match, voilà, donc c'est le match numéro 11 il me semble, et nous avons Redesit, hein, je me trompe tout le temps, contre Mr. P. Alors, ah, ils ont choisi cette map, ah donc c'est bien, au moins ils ont choisi une map qu'on n'a jamais faite pendant ce tournoi, et ça c'est vachement cool. Donc, nous avons Redesit, qui a la faction de l'Arnor, que nous reconnaissons par, le Gondor ? L'Arnor ou le Gondor ? J'arrive pas à savoir, non, c'est le Gondor, je dis de la merde. Je dis des bêtises, voilà. Et nous avons Mr. Piggy qui a Isengard. Donc pour le moment, nous faisons de l'économie. Arnor POV. Ah mais c'est Arnor. J'y arrive pas à savoir. Ah oui, attends, c'est Arnor. Ok, my bad. Bonsoir, c'est ici le tournoi. Alors là, je suis en train de commenter le replay du match Redesit contre Mr. Piggy. Voilà, donc nous commenterons live. Donc pour le moment, voilà, on fait de la petite économie tout à fait standard. Donc la map, il y a quoi? Il y a des petits wargs, des petits trolls, des petits wargs, des petits trolls. Bienvenue dans les montagnes blanches, messire. Nous attendions votre arrivée. Merci, Dakuzi, pour le follow. Voilà. Je spoil, il s'est fait tiotiotiser. Oui, le match a déjà été fait, en gros. Là, je suis en live et du coup, je tourne en même temps la vidéo, comme ça YouTube vous pouvez la voir, la revoir, voilà, quand vous voulez. Donc du côté de Redesit, nous avons fait directement Karten, hein, qui court super vite quand même. Et nous avons aussi fait c'est qui lui? Aranart? What? Il a déjà changé de forme? Attends, à chaque fois, hein? What? Ah d'accord, il peut passer, il peut switcher entre deux formes. C'est un peu spécial quoi. Le pastage d'Arnor est OP. Ouais, je crois que ça invoque une armée des morts si je me souviens bien. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Alors du côté voilà de Peggy, nous avons fait Lurtz et Ugluk. Non, ouais, ça Ugluk. Oh là là. J'ai reconnu directement que c'était Ugluk, hein, vraiment trop fort quoi. Donc voilà, on est en train d'XP sur des petits trolls, hein. Les trolls ça donne beaucoup d'XP. Alors, là on a pris l'auberge. Alors je crois qu'il n'y a qu'une auberge sur la map. Et c'est marrant parce qu'elle est ici, donc elle est un peu plus avantagée je trouve pour ceux qui sont au nord quoi. Que voilà. Alors du coup, on est en train de, évidemment, continuer à faire le troll, voilà, on est en train de le tuer tranquillement, on gagne de l'XP, Lurtz qui est passé level 2. Du côté d'ici, on fait Karten est en train de tuer les wargs, tranquillou, et Aranart est ici en train de tuer les trolls, tranquillou. Pour le moment, c'est un passage d'XP, voilà. Ouais, l'armée des morts, c'est pas si long que ça, si tu le rush, c'est pas long. Pour avoir l'armée, il faut les pouvoirs, plus le temps, up de la forteau, plus les ressources. Non. Avant d'avoir l'armée des morts, il y a quand même pas mal de choses à avoir. Genre, tu peux pas l'avoir à 5 minutes de partie, toi, c'est impossible. À part si t'as déjà le bâtiment. Mais ce qui n'arrive pas. Donc, bah voilà, on vient de détruire l'antre à troll. On a fait des scouts. Voilà, des petits scouts. On a fait une deuxième unité de scouts. Alors, c'est... Pour l'instant, il n'y avait aucun... Ah, c'est-à-dire que les scouts sont directement dans la forteresse, d'accord, ok. Non, mais on va le perma s'il continue de parler. Les scouts sortent de la forto. Non, mais oui, je viens de voir que les scouts sortaient de la forto, hein. Vu qu'il n'a pas de bâtiment de production d'unité, je me doute bien. Alors, là, nous avons le premier affrontement, Karten. Ah. Mr. Piggy qui décide de se replier. Donc, Piggy qui est le seul anglais du tournoi qui participe, hein. Voilà, il a une chaîne YouTube et tout, voilà. Il fait sa petite pub, hein, comme d'hab. La pub pour tout le monde, moi je suis gentil, hein. Attends. Alors là, nous avons fait le pouvoir de rage. Oh putain, et Karten, il prend super cher. Oh. Et Karten qui vient de mourir face aux scouts. Les scouts qui sont passés level 2. Bon, bah d'accord, bah, je comprends pourquoi. Enfin voilà, bref, on continue le match. Donc Aranart, voilà, qui va se replier du coup. Oh, attends. Me dis pas que Piggy va gagner juste en faisant des... D'accord, ok. Il a fait une petite tente du pays de Dain, là. Pour faire des petits hommes du pays de Dain. Qui sont très forts contre les bâtiments. Bon, c'est pas des unités de ouf, hein, mais voilà. Pour le moment, voilà. Ça... Ouais, Karten, il a pas de vie, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Donc là, on a fait des archers du Gondor... d'Arnor. Des guerriers de l'Arnor, voilà, deux unités d'archers. Donc pour l'instant, voilà, on fait des petits trucs tranquillou. Côté de Piggy, on va directement aller vers le bas pour continuer à farmer. Aranart qui retourne chez les trolls. Oh,
Je sais pas ce qu'il focus. Est-ce qu'il focus un troll? Oui, il focus un troll. Ok, ok. T'es en train de me dire, il focusait rien du tout. Bon. Oh, les hommes du pays de Dain, voilà, qui sont un peu défoncés par les wargs, hein. Voilà, ils se sont fait un peu rouler dessus. Est-ce que ça fait vraiment mal au bâtiment? Oh, ça fait super mal, hein. À moins que ça soit l'Urt ou Glouk. Non, je pense qu'ils participent quand même pas mal aux dégâts. Mais les scouts ont l'air super forts. Alors là, on a fait. Hein, c'est... Ah, d'accord, il a fait des Kreknyak Bug. Ok, d'accord. Alors, c'est des orques. Je sais pas si c'est vraiment fou, mais c'est des orques, hein. Voilà. Donc, je ne sais pas, on verra bien. Hein. Donc, Arnard qui est level 3. Donc, il y a une flèche qui stun, je pense. Je ne sais pas, hein, je pense que ça stun. Hein. Ah, Ougluk est... Ah, oula, Arnard qui va mourir, là. Ouf, 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 je le sens mal pour Arnard. Arnard qui se replie en plein dans l'armée de Mr. Piggy. Oh, il vient de se faire stun par... Oh, bon, bah, c'est la mort, hein. Ok, donc, Red D7 qui a perdu ses deux héros. Je pense que ça sera bientôt la fin. C'est une game plutôt rapide, hein, pour le moment, hein. Il y a directement des affrontements. Alors là, on a fait voilà, des arts d'un Swordman qui sont plutôt stylés. Voilà, ils sont plutôt très très résistants. On dirait, donc on en parlait, on dirait des hommes du Moyen-Âge un peu, toi, style Moyen-Âge. Ce n'est plus Aranard, mais Aranal. C'est vrai que c'est fait un peu défoncer, quoi. Donc là, nous avons un combat ici. Voilà, donc il a combiné des archers. Ah non, c'est juste qu'ils sont bien positionnés. Donc là, ça va faire un maximum de dégâts. Donc le, voilà, c'est des guerriers orques, hein, c'est pas fou. On va pas se cacher, c'est pas fou. Donc, voilà. Donc, Mr. Piggy qui spam avec des orques, hein. Mais qui, voilà, tranquillement avance, récupère des ressources avec les hommes du pays de Dain. A chaque fois qu'il frappe, en gros, il gagne plus 1, donc c'est plutôt stylé. On a refait Kartaen, voilà. Et niveau 2. Alors, est-ce qu'il one-shot les orques? Ok, il one-shot les orques, ça c'est pas mal. Bon, après, c'est des orques, hein, c'est pas foufou, quoi. Heureusement que c'est pas foufou. Ah, les archers font pas énormément de dégâts, quand même, hein. Alors, il leur faut au moins 2-3 salves pour tuer les petits orques, quoi. Alors là, on a contourné, on est toujours en train de détruire les fermes, hein, tranquillement. L'Urt qui est niveau 4. L'Urt qui est niveau 4, Ougluk qui est aussi niveau 4, qui va pouvoir faire ses pouvoirs de soins. Voilà, donc ce pouvoir-là, là, bro de machin bidule truc, là. Ah non, c'est juste lui. Il devrait faire ça, la Dark Medicine. Ça permet de heal toutes les unités autour, donc c'est super fort. Donc là, nous avons l'Urs qui passe à niveau 5, donc qui augmente de 50% les dégâts et l'expérience, voilà. Et oui, le bisou, évidemment. Hein. C'est important de dire au revoir à ses parents hein, quand ils vont se coucher, bref. Avec les ordres, et les orques sont trop forts. Ouais, mais là, je crois qu'on peut pas le faire. C'est des orques de l'auberge, donc c'est pas forcément des trucs foufou. Attends, Mr. Piggy, il a fait quoi pour le moment? Ok, il a fait... Oh, il a fait Saruman. En gros, Piggy, il a rien... Il a rien fait. Enfin, il a rien fait. Pour l'instant, il a pas fait grand-chose, quoi. Oulu qui est passé level 5. L'Urt qui est passé level 5. Bon, je pense la technique avec Lysanger, c'est pas mal, hein. Enfin, cette technique-là. Faire deux héros, ensuite full scout, ensuite des hommes du pays de Dain pour récupérer des ressources sur la map. Regardez, regardez, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. En plus, on peut les améliorer avec les petites torches pour qu'ils fassent encore plus de dégâts. Ah, Kartaen qui va au corps à corps pour attaquer. Ouais, oh, mais c'est fait. Vraiment, hein, il allait se faire tout shot. Piggy de partout, même. Piggy, c'est un ouf, hein. Non, Piggy, c'est un ouf. En vrai, c'est un mec chaud, quoi. Il a pas le temps de niaiser. Pourquoi il fait de la. Pourquoi il y a de la. Une espèce de poison, là? Comment on fait pour faire la pub du jeu? Comment ça, la pub du jeu? S'y raconte. Oh. Elle est même les flèches, hein. Je trouve, elles font un petit peu de dégâts. Quoi. Oh là là, Kartaen qui va mourir. Kartaen qui va mourir. Kartaen qui est mort. T'appelle TF1. Tu fais de la pub sur TF1. Tranquille, tranquille. Non mais attends, il va gagner que avec des scouts et des... Ouais, mais abusé quand même, enfin, je sais pas. Le respect, il est où, là? Oh là là, ils se font défoncer, ils se font défoncer. Oh, il y a Saruman. Oh là là, le pouvoir de magie qui a été invoqué sur les hommes. Voilà, ils sont en train de voler un à un. Oh, le pauvre, il se fait martyriser. Il peut même plus sortir de chez lui. Va-t-il tenter de faire de la cavalerie? Je ne sais pas. Mon papy voudra pas jouer.
Allez, Saruman qui a perdu un peu de vie. Bon, je sais pas, il est en train de taper les bâtiments avec les archers. Hein. Mais ça fait le taf, hein, quand même, là. Et je trouve le bâtiment, il descend super vite. Enfin, super vite, tout est relatif, hein. Bon, ici, on a fait de la cavalerie pour directement renverser les troupes du pays de Dain. Voilà, voilà, c'est bien joué. Les hommes dieux de l'Arnor, voilà, qui attaquent, hein, tout simplement. Hein. Normalement, qui les défoncent, hein. Que voilà, les hommes du pays de Dain, ils se battent avec des fourches, hein, donc c'est pas non plus foufou. Sauf que, attends, ils sont tirés dessus par En fait, ils sont tirés dessus par tous les mecs du coin, quoi, genre du bled. Oh là là, les pauvres Arnoriens, là. Je sais pas si ça se dit Arnorien. J'irais Numénorien, mais c'est pas des Numénoriens, c'est de l'Arnor, quoi. Bref. Nous avons un petit Saruman qui est en train de défoncer tout le monde. Est-ce qu'il va utiliser sa compétence sur eux, là? Non. Oglou qui va passer level 6. Saruman qui est level 1. Bientôt level 2. Par tous les mecs du coin comme une... Quitté. Ton futur mari. C'est le plus gros troll. Bon. Bon bah pour le moment, Mr. Piggy qui est très très bien. Hein. Oh la cavalerie. Elle s'est faite démonter. Non ça c'est pas normal hein. Que des scouts fassent autant de dégâts de la cavalerie, c'est pas normal. Bon, encore l'Urt qui one-shot la cavalerie, ok, il est niveau 6, mais eux quand même, ils sont niveau 2-3, bon, ok, 2-3, mais ça one-shot pas, quoi. Pas de la cavalerie. Surtout que l'Arnor, ils ont genre une cavalerie, toi. Ils ont pas genre 3 niveaux de cavalerie, ou 2. Non, ils ont qu'une, genre 5 pecnos qui sont nuls. Oh ! Et on arrive avec 3 béliers, d'accord. Et il l'a fait où, son bâtiment, là ? Ah oui, d'accord, non mais d'accord, mais il y a l'IRSP en fait du côté de Piggy, on a carrément fait une base avancée. Piggy qui est en train de troll, ok, d'accord, non mais Piggy, tranquille, hein, il a fait ces bâtiments-là. Il aurait pu même les faire ici, je pense. Et les béliers qui vont directement foncer sur la forteresse. Oh mais c'est clair, net et précis, quoi, genre on envoie les béliers. Mr. Piggy va défoncer tout le monde. Ah bah pour le moment, il est bien parti, hein. Franchement, niveau, à chaque fois, ces matchs, ça dure pas très longtemps, hein. Ah, il est chaud, hein. Là, ça renvoie un autre bélier. Bon, je pense que là, c'est la fin, hein. C'est la fin pour ED7, hein. Après avoir fait le match d'une heure et demie, quasiment, contre Sindari, il va perdre en moins de 15 minutes contre Mr. Piggy. Mais les béliers font pas énormément de dégâts, hein. Mec, ils sont 3. Regardez la vie que ça perd. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ça fait 0 dégâts les béliers. Bah au moins tu peux pas dire que ta forteau elle se fait défoncer tout le temps toi genre. Oh there's money. Hey Mr. Piggy. Bon bah bien joué Mr. Piggy hein, voilà hein, Mr. Piggy qui passe au tour suivant, incroyable hein, voilà, bah, bien joué à lui hein. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, mais en tout cas, voilà, on suivra la suite hein, pour le prochain tournoi. Donc moi je vous dis à bientôt.